Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci il s'agit de Ori and the Blind Forest sur PC. Donc avant de commencer ce let's play, puisque oui voilà c'est un let's play découverte aujourd'hui, je vais faire un petit point sur les vidéos. Déjà pour vous dire que vous le voyez déjà, c'est que nouvelle qualité de vidéo. J'ai changé tout, j'ai changé de PC, maintenant j'ai un vrai PC, hein, avec des vrais trucs dedans, hein, pas comme ce que j'avais avant. Donc maintenant je vais pouvoir vous faire des belles vidéos en HD. J'ai changé tout aussi, j'ai changé mes logiciels de montage, mes logiciels de capture, enfin j'ai tout changé. J'ai pas encore changé de matos pour... j'ai pas changé de micro pour le moment, mais ça va venir. Donc cette fois-ci, moi et mon PC de combat, on va vous montrer Ori and the Blind Forest. Enfin, je rigole, c'est pas un PC de combat, mais il fait quand même... il fait tourner tous les jeux, donc au moins c'est ce qu'il me fallait. Et pour vous aussi, pour vous envoyer de nouvelles vidéos, et pourquoi pas aussi vous proposer de... peut-être de nouveaux lives, pas spécialement uniquement sur la PS4. J'ai filmé aussi deux autres Wolfsou avec mon ancien PC, donc qui date d'il y a 2-3 mois. J'ai plus filmé depuis un mois, du coup ça me fait vraiment plaisir de me remettre sur les vidéos. Ça me fait un peu bizarre parce que ça fait un mois déjà. Et avec un nouveau matos, c'est vrai que ça me remotive encore plus. Voilà. Donc je vais vous envoyer ces deux autres Wolfsou. Et je vous enverrai, je pense, celui-ci en parallèle. Voilà. Celui-ci est un let's play. Donc j'ai un tout petit peu joué au jeu. Je l'avais acheté ce jeu il y a très longtemps. Et bon, malheureusement, il passait pas sur mon PC. Du coup, je l'avais installé. Je l'avais laissé au cas où. Hein, enfin, j'étais encore sur mon compte. Et maintenant que j'ai mon nouveau PC, c'est le premier jeu que. Voilà. C'est celui-là. J'avais envie de faire un jeu. Uniquement un jeu, c'est celui-là. Malheureusement, il n'est pas sur PS4. Il est uniquement sur console de Microsoft. Et sur PC. Donc 360 et One. Je suis même pas sûr pour la 360, pour vous dire. Parce que je l'ai jamais vu sur ma Xbox. Bon, là on se retrouve sur PC, donc j'ai pas de save, on va commencer ça ensemble. Alors j'ai un tout petit peu joué tout à l'heure, histoire de tester, hein, vite fait, pour ce que ça donne. Et le jeu est magnifique, c'est une claque. Et je suis vraiment content de vous proposer ce jeu-là avec une bonne qualité pour que vous puissiez, savourer ce jeu magnifique. On tombe au top 1 des jeux vidéo, j'ai Child of Light. Actuellement, et je pense que je vous ferai certainement d'ailleurs sur PC. Et je vais voir si ce jeu peut atteindre le top 1. Voilà, avec Child of Light. Que je vous proposerai bien évidemment un de ces 4. Donc c'est parti, on va commencer une nouvelle partie. Bon, je sais pas du tout combien de temps je vais jouer, peut-être une petite demi-heure, hein, on va pas aller trop loin non plus. Donc c'est parti, le jeu commence. Et ça commence déjà très bien. Voilà, c'est tout bonnement magnifique. Allez, c'est parti, donc on contrôle ce drôle de personnage. Regardez comme c'est magnifique, cette lune, l'effet du vent dans les arbres, je trouve ça magnifique, les effets de lumière, c'est beau. Donc premier niveau, le nid d'hirondelle. Alors je joue au pad 360 pour ce let's play. Ça se joue très bien au clavier, mais bon, j'ai préféré là pour filmer jouer avec le pad. C'est plus une question d'accessibilité simplement. Mmh.
Ce que j'ai compris, Ori, voilà, c'est ce petit être blanc. Et Noru, bon, bah, c'est celui qui est un peu plus costaud là. Donc regardez, notre héros se réveille, hein, il s'étire. Ouais, non, il n'y a pas à dire, c'est magnifique. Alors quand je parle d'accessibilité, c'est en fait pour filmer. Enfin, c'est plus pratique là pour le coup de jouer avec le pad, parce que j'ai pas forcément un clavier super. Donc voilà, on dirige notre personnage. Il peut bondir, apparemment on peut pas faire grand chose. On peut uniquement courir et bondir. On va sortir d'ici et on va rejoindre notre ami qui se trouve à l'extérieur. Alors on contrôle notre héros. Je les trouve magnifiques les deux. Enfin, je les trouve super mignons. Donc là, je sais pas du tout ce qu'ils sont en train de manger là. Je vois pas trop. Bon, je vous dis, on va continuer là-bas sur la gauche. On va voir ce qui s'y passe. Vous avez compris, apparemment, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, hein, dans cette forêt. Alors, on va aller voir à l'extérieur avec notre personnage. Bon, on dirait que la bouffe n'est même plus comestible, pauvre. Vous avez compris, hein, la forêt se meurt. Hein. C'est pas l'automne, hein, c'est juste que voilà, tout tombe. Tout tombe en miettes, on a l'impression. Vous avez compris, on a trouvé de la nourriture pour notre ami.
On va se dépêcher de lui redonner puisque il a l'air vraiment affamé, le pauvre. Donc on va se dépêcher. Alors j'aime bien au fond les petits flashbacks entre Ori et Noru, si je prononce bien son nom à celui-là. Il y a une sorte d'araignée là en premier plan. Bon, elle va pas nous attaquer pour le moment, je vous rassure. Pas pour vous, mais moi, le début de ce jeu, il me fait chialer, c'est pas possible, je trouve ça super déprimant. Et on sent que cette Ori est complètement désespérée, donc là c'est moi qui contrôle hein, le personnage. Ah, mais on sent que le pauvre, il en peut... il en peut absolument plus, hein. C'est parti, donc on commence notre aventure. Alors c'est marrant parce que je viens de débloquer un succès, mais j'avais déjà vu les cinématiques et il me semblait que j'avais déjà débloqué le succès. J'ai pas trop compris là pourquoi je le débloque une seconde fois. Donc nous voilà aux commandes de Ori dans un monde totalement dévasté. Le début du jeu est super triste, hein, c'est fou comment. Ok, bon, j'ai déjà débloqué un succès, donc c'est déverrouillé. Du secret. Donc là, on a débloqué
un petit brasier de lumière spirituelle. Donc on a une barre en bas qui se remplit, donc c'est rempli de lumière spirituelle. Trouve-en d'autres pour obtenir des points de compétences rapidement. Ce qu'on peut améliorer Ori. Donc on verra bien comment ça fonctionne. J'ai pas trop regardé. On va découvrir ça ensemble. Ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, on ne peut pas toucher ces trucs-là, violets. Pas non plus marcher dans l'eau. Enfin, je suis désolé, mais moi, je trouve ça magnifique. C'est fou, hein. Mais je trouve ça super beau. Tu as trouvé une cellule d'énergie. Tu peux à présent récupérer et consommer plus d'énergie. Utilise cette ressource pour créer un lien d'âme et sauvegarder ta partie. Alors, appuie longuement sur B pour créer un lien d'âme. D'accord, donc on va sauvegarder la partie. Donc, il y a deux moyens de sauvegarder ces parties avec ça. Il y a un autre moyen. Je me suis arrêté quand j'ai découvert cet autre moyen. Donc, le premier ennemi. On peut pas le. Voilà. On n'a pas d'attaque encore. Tu as trouvé de la lumière spirituelle remplie, donc la barre, pour obtenir un point de compétence. Donc regardez en bas, je suis en train de la remplir. Donc je vais bientôt gagner un point de compétence. Bon, j'en ai 0, c'est le petit chiffre en bas. Ce que là en vert, donc logiquement, ce sont nos points de vie. Donc on va récupérer ça, cette petite lumière. Ces îles. Donc ce sont ces monstres qui nous attaquent. Donc là on a gagné un point de compétence. On va créer un lien d'âme, c'est plutôt ce que je voulais faire. Ah oui voilà. Donc là on ouvre notre mandat de compétences. Donc alors voyons voir. Ça a l'air assez classique. Ça a l'air assez dirigé surtout. Hein. On a trois types de compétences. Et ce sont les attaques de flammes, les attaques, bon, ça peut être les bonus j'imagine, ouais, un peu de bonus, hein, ça fait pas de mal, et ça ce sont les, bah, pareil aussi d'ailleurs, moi j'améliore toujours l'attaque en premier, je suis comme ça, donc permet de lancer 3 flammes avant de devoir recharger, on va apprendre ça, tiens, voilà, un petit succès, ça fait plaisir. D'accord, donc en fait, ok, j'ai compris. On peut améliorer ses compétences uniquement ici. Donc là, on a une carte. On a débloqué 17% de la carte. Je la trouve très jolie, la carte. Regardez, quand on dézoome, on a le. Tout le. Bah, toute la map hein, du jeu. Et quand on zoome, eh bien, on a la carte de l'endroit où nous sommes. Je trouve ça très beau. Très bien pensé. On a encore un ennemi. Alors attendez, est-ce qu'il y a quelque chose en bas? Ouais, il y avait quelque chose. On va essayer de tout débloquer, on va essayer de récupérer le plus de jets possible. Je vous garantis pas de le faire à 100%. Tu as trouvé un fragment d'énergie. Les fragments d'énergie régénèrent la puissance des cellules d'énergie d'Ori. Ok, donc apparemment on doit aller donc dans le bosquet creux, c'est notre objectif. Ah non, d'accord, je trouve l'arbre aux esprits. Alors j'ai pas trop compris ce que c'était. On va continuer, donc oui voilà, on peut donc regarder la carte en appuyant sur back, hein, voilà. On peut tirer là sur ces choses. Sur les espèces de petites plantes, voilà, qui nous libèrent de l'énergie. Alors avec la souris, on peut diriger l'endroit où on tape. Là, on se contente juste d'appuyer sur X et on a une sorte de lock automatique. Tu as trouvé un éclat de vitalité, récupère-en pour régénérer ta vitalité. D'accord.
Alors de ce que j'ai fait, je suis mort quand même pas mal de fois. Du coup, je vais essayer de... jouer un peu mieux. Bon, ça c'est pas grave, c'est tombé dans l'eau. Je peux pas aller dans l'eau, celle-là, elle pique un peu malheureusement. Extrêmement mal. Tu as gagné un point de compétence, donc là voilà, encore créer un point de compétence. Donc ça c'est une autre façon de, sauvegarder. Bon, partie sauvegardée, donc apparemment voilà, on reprend toute notre énergie. Alors je peux pas grimper là malheureusement, je peux pas tirer sur ça, c'est pas grave. Alors j'ai gagné un autre point de compétence. On va essayer d'aller à l'endroit. Je vais essayer d'atteindre le prochain point de save et on se quittera là je pense. Je vous ai dit, je vais pas faire une vidéo super longue au début. Je vais même plus trop faire de vidéos super longues. On va essayer de se contenter à... Ah, et ça fait mal le Bob. Ah, j'ai la peine pour lui. À chaque fois qu'il souffre ce personnage, je sais pas pourquoi, mais... J'ai vraiment de la douleur pour lui. On se... s'identifie tellement au personnage que... Enfin, moi, pour ma part. Vraiment, je peux pas aller là. Je peux même plus remonter. Non, je peux pas remonter. Bon, c'est pas grave. Que voilà, à chaque fois qu'il a mal, je... Dans un sens, je souffre. Je souffre pour lui. Bon. Ils font quand même assez mal, les ennemis. Hein. Plus longuement, voilà. Donc on peut déplacer des objets. Bon, je me suis arrêté à peu près par là. J'écoute un peu plus loin. Après, je connais. Après, je sais pas ce qui se passe. Tu as trouvé une pierre clé. Les pierres clés permettent d'ouvrir des portails aux esprits. Chaque portail aux esprits nécessite un nombre de pierres clés précis. Donc on a un portail un peu plus loin. Il nous en faut deux. Là, on a récupéré la première. La deuxième, on va la récupérer un peu plus tard. On va d'abord grimper, vous savez quoi? Je vais buter l'ennemi qui se trouve là-haut. Ils font pas de cadeaux, les ennemis, dans le jeu. Hein. J'ai vu ça, ils font pas de cadeaux du tout. Voilà. Donc là, on a la porte. Vous avez compris, on va devoir ouvrir cette porte. Donc c'est notre petite... c'est cette petite lumière là, cette petite lueur qui nous suit là, qui nous parle. Donc, si j'ai bien retenu le nom, c'est Sane ou Sane. Je sais pas du tout comment ça se prononce. Bon, faut-il que là pour le moment on a récupéré donc la deuxième clé. On va ouvrir la porte maintenant. Savoir un truc, c'est quand on meurt, on revient au dernier point de save. Donc là, pour le coup, ils sont assez... on n'a pas de checkpoint toutes les 30 secondes dans le jeu. Hein. On revient vraiment au dernier point de save. Et vu que les ennemis tapent assez fort, on a intérêt à se méfier. Donc là, si je retourne en haut... Enfin, si je retourne ici, je retourne au bosquet creux. C'est pas vraiment l'endroit que je veux visiter, moi je veux aller aux grottes. D'après ce que j'ai compris. Ça se casse pas ça. Je peux pas aller de l'autre côté pendant. J'imagine que je vais devoir récupérer une amélioration. Pour pouvoir. Pour ouvrir la porte. Donc on va. C'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on a là, tiens? Une cible de vitalité. D'accord, donc on peut améliorer aussi notre barre de vie. Alors en haut, apparemment, il y a un chemin. On va regarder la carte. Ouais, apparemment, on peut aller. Alors j'imagine qu'on va peut-être débloquer une amélioration qui va nous permettre d'aller dans les eaux là, empoisonnées. Parce que vous avez vu que la carte continue. J'imagine qu'on a des récompenses là-bas ou peut-être même, je sais pas, des donjons bonus, hein, qui sait. Je sais pas. On verra bien. Nous voici dans les grottes mystiques.
Donc là c'est pareil, on va devoir débloquer deux portes. Deux clés, pardon. Récupérer deux clés. Pour débloquer la porte. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Bon, de toute façon, je verrai ça dans le montage. C'est qu'en fait, j'ai le son assez fort dans mon casque. C'est pas une si bonne idée d'ailleurs. Et d'avoir mes six forts. Généralement, quand je fais une vidéo, j'entends pas grand chose. Mais bon, comme là, c'est un let's play d'un jeu, je voulais vraiment en faire. J'ai pas tellement envie non plus de me saborder de chance de jeu. Mon intuition me dit d'aller par là, en premier lieu. D'accord, donc il nous faut en plus un fragment de pierre carte, donc j'en ai 0. Ça prend bien. Alors là par contre on a la clé qui va nous permettre d'ouvrir la porte qui se trouve en haut. Alors si je récupère un fragment de pierre carte, je vais le mettre ici. Alors apparemment les ennemis sont revenus. C'est pas très cool. Alors, je vais me défaire. Vous savez quoi? J'ai envie de gagner de l'expérience moi. D'autant que j'ai bientôt gagné des points de compétences. On n'a pas proprement parlé de double saut dans le jeu. On peut faire un saut un peu plus long, mais j'ai pas l'impression qu'il puisse se régripper. Regardez ça. Non, j'ai pas l'impression qu'il puisse se régripper. Bon, c'est pas grave. On va descendre ici. J'imagine qu'on va. J'imagine que ça fait le tour. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Ah ça c'est intéressant ça. Quand on a un point de compétence, ça a tendance à créer une vague d'énergie qui bute à peu près tout le monde. On va sauvegarder, vous savez quoi? On va améliorer un peu notre personnage. J'ai envie de récupérer ça. Ah d'accord, en fait après, d'accord, ça nécessite un peu plus de points d'expérience. Je pensais que chaque fois c'était 1-1-1, d'accord, ok. D'accord. Avant l'action de la flamme spirituelle, je vais améliorer ça aussi tant qu'à faire. Voilà. Alors je sais pas du tout où est-ce que je vais m'arrêter. Au prochain point de save on a dit, mais bon après ça fait trop long. On verra bien. Ok, donc on va observer sa lumière à celui-là. Je maîtrise le saut de mur. Utilise ses compétences en direction du mur. Ah, d'accord, ok. Bon, c'est ce que je voulais tout à l'heure en fait. C'était pour. Ah, c'est intéressant ça. Ça c'est intéressant, ça permet vraiment d'atteindre certaines hauteurs. Bon j'imagine que il y a une limite hein. Je peux pas non plus aller super haut. Aïe le pauvre. Voilà, pour moi j'ai pas d'amélioration à récupérer. Est-ce que sur la carte, c'est... D'accord, en fait, vous avez vu, on a une petite balise sur la carte qui nous indique effectivement, voilà.
on a un point d'amélioration sur la carte. Ah, attendez, là, comment on va faire là? D'accord. On peut sauter aussi. On peut sauter de mur en mur, ça c'est intéressant. Est-ce qu'il y avait des passages que je ne pouvais pas atteindre? Il y avait un passage là. Là sur la droite là. Bon, c'est pas grave, on va continuer pour le moment. Ça c'est intéressant. On a quelques pièges apparemment. Comment on fait pour grimper là? J'ai pas l'impression qu'on puisse grimper ici. À moins qu'on doit. Je pense qu'on doit faire le tour. Ah non, mais non, je suis con. J'ai pas fait gaffe à ça. On doit avoir la clé ici. Il y a deux clés à récupérer. Ça c'est intéressant, on a ouais, on a un peu de plateforme à attendre ça. J'imagine qu'on va devoir pousser ça jusqu'au bout, voilà, sans se faire toucher. Bon, ça va, c'est pas super compliqué non plus, hein. Ouais, comme quoi j'avais raison, hein. Ça nous ouvre, ça va nous ouvrir la porte. Enfin, je sais plus du tout où était la porte par contre. Aïe, j'ai fait une petite chute là. Attendez, on va recommencer. Je veux récupérer mon power-up ici. Donc un fragment de pierre carte, donc j'ai où était la pierre carte? Attendez, elle était, oui, elle est là. Elle était dans un recoin, elle est ici normalement. On va redescendre. Voilà, c'est ici. D'accord, donc c'est bien ce qui me semblait, vous avez vu, voilà, on a des petits passages sous l'eau. Pour le moment, j'ai pas d'amélioration, donc on va devoir trouver cet arbre. Je vais regarder un petit truc d'abord. On va redescendre ici. J'ai envie de tester un petit truc. C'est que là, on a un petit point d'amélioration, mais est-ce que ça se comporte comme un point de sauvegarde? Malheureusement non, ça se comporte pas comme un point de sauvegarde. C'est tout ce que je voulais savoir. Donc on va continuer. Ça, je sais très bien que voilà. Si je n'avais jamais fait la. La vérification. Je me serais posé la question. Encore pendant des heures. Alors attendez. Donc la porte fermée était là-bas. Bon, j'ai toujours pas compris cette histoire de lien d'âme. Je dois bien vous l'avouer. Ça reste assez obscur encore. On va regarder la carte. Donc, bon, de toute façon, on peut que continuer par là. Je sais que je fais une petite erreur parce que on avait une petite. Il y avait un petit passage que je n'ai pas visité.
Et je suis sûr que l'on... Aïe. Que l'on peut le... Que l'on peut le visiter... Ah oui, d'accord. Parce que là, en fait, là, je suis mort. Du coup, je dois tout me retaper. Ok, c'est super. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite coupure. Et on va se retrouver à l'endroit où... Je suis bien parce que sinon si je vous remonte tout ça va pas le faire. Alors on se retrouve voilà juste ici, l'endroit de la mort. Alors je sais pas pourquoi j'étais persuadé que pour sauvegarder, pour créer un lien d'âme, il fallait obligatoirement avoir un point de compétence. Alors qu'en fait pas du tout. Voilà, on peut juste sauvegarder, donc là voilà, j'ai fait une sauvegarde et j'ai pas spécialement de point de compétence dans mon inventaire. Bon, vous ça vous a pas fait perdre de temps. Hein. C'est juste à moi. Et encore ça va. Si on refaire le tour, ça va, c'est pas non plus super. Super compliqué, donc là faut suffit juste d'aller tout doucement en fait. Hein. Voilà, faut pas être pressé. J'espère que c'est fini ce piège parce que ça commence à m'énerver. Je peux pas descendre apparemment. D'accord, ok, je comprends. Continuer par là. Et c'est quand même assez tendu hein, les. Les plateformes à cet endroit là. Je me rends compte que ce qu'il fallait juste faire c'est... Un saut ici, pardon, je me suis trompé, bon. Petit fail. Je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va... ouvrir cette fichue porte. Hein, pour récupérer. Et on va se quitter là parce que, mine de rien, ce passage-là, eh ben, il n'est pas si facile que ça. Après, je pense que c'est surtout moi voilà, qui n'ai pas trop encore pris le... Enfin, l'habitude hein, sur le gameplay, mais... Ah ouais, attendez là, ça c'est traître ça. Ça c'est pas cool ça. Attendez, on va attendre que lui arrive. Donc lui il en faut... Bah oui, 4, évidemment. Il manque un. Ah mais il est juste là, tiens. Bon, on va se retaper ça. Et c'était magnifique. Ouh, c'était beau ça. Alors là pour le coup, je suis plutôt fier de moi. Hein, on arrive bientôt à l'endroit où on voulait aller. Bon, on va y aller, vous savez quoi. Est-ce qu'on a quelque chose ici, tiens. On a toujours ces portes fermées, je sais pas du tout ce que c'est pour le moment. C'est magnifique, hein. L'arbre en fond, c'est vraiment super, super joli. Donc on va se mettre là, on va rentrer ici.
Ok, donc on a compris un peu le gif, ouais, donc c'est de sauver le monde, hein, tout simplement, hein, en sauvant les éléments. Ça reste assez classique, je pense qu'à peu près tous les jeux l'ont fait, ça. Mais pour le coup, ça me donne vraiment envie de sauver le monde en Ori, c'est tellement magnifique. Regardez le plan et la musique en fond, faut vraiment y jouer à ce jeu. Et voilà, je vous conseille vraiment ce jeu-là. Donc on a sauvegardé la partie. Nous, on va se quitter là sur cette vidéo. Malheureusement, j'aimerais tellement continuer avec vous, mais ça sera pour la seconde vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé celle-ci. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou me partager la vidéo si vous avez aimé. Et c'est le cas de la prochaine pour la suite du Wusu de Ori and the Blind Forest. Allez, ciao.